מרגישים את עצמך, מה? את תהיי לבד, אנשים מאוד מאוד מרוצים, מגיעים לכאן, טוב לאנשים להגיע לירושלים, זה, רואים על העיניים של האנשים, על הפנים של האנשים, זה פשוט תענוג, אני מאוד מרוצה. שלום. Bonjour Stéphanie. Gérald, j'aimerais que tu nous dises un peu plus ce qu'il en est par rapport à la marche de Jérusalem. On dit bien effectivement la marche de Jérusalem. Il y a une petite confusion à ce sujet parce que les chrétiens l'appellent la marche des nations ou la marche pour Jésus. Et c'est une erreur parce que tout simplement en 1980, le maire qui s'appelait Teddy Kollek a demandé aux chrétiens de faire partie de cette marche qui existait déjà et qui rassemblait les associations, les organisations juives. Tous les ans, il y a cette possibilité aux chrétiens de toutes les nations de participer et de faire partie de cette marche de Jérusalem. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire et en même temps de prophétique, puisque nous voyons, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, que dans Zacharie, il est dit que toutes les nations viendront à Jérusalem adorer le roi des rois. Donc c'est cela qu'il faut voir dans cette marche, non pas un désir d'évangélisation, de missionnariat, mais simplement de faire partie de la joie qui existe à Sukkot, à Jérusalem et en Israël, et d'être en solidarité avec ce peuple qui est le peuple de Dieu. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se quitte en images avec les festivités nocturnes de Sukkot. Allez, au mois prochain. Yeah.